Salut à tous, c'est Thomas Santadassi, j'espère que vous allez bien, chers amis. Aujourd'hui, on se retrouve... Ouh, attendez, il a une hache. Ok, on va recharger. Très bien. On se retrouve directement au cœur de l'action, chers amis, pour la suite de notre aventure sur The Last of Us Remastered. Alors, évidemment... Oh, ça touche. Ça touche. Et ça touche. Ah, par contre, s'il est pas mort, je sais plus quoi faire, hein. Wouah 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 wouah. C'est go. Oh non. Oh putain, il arrive à me tirer de là. Attends. On va recharger. N'oubliez pas, chers amis, on est en 2K. 60 FPS. Toujours pour cette vidéo et pour bah, tout simplement pour tous les épisodes qui vont suivre. Voilà. Voilà, merci. Oh mais putain. Putain de bâtard. Allez, le heal, le heal, le heal, le heal. Ok, très bien. Oula. Non, derrière toi, elle a dit. Très bien, ça fait un mort. Oh non, vraiment. Voilà. Hop. Oui, bah oui, oui, oui. Je sais que je peux m'équiper d'une arme, connard. Avec con ce jeu. Ah! Comment ça? Où ça? Ah! Putain, la vache. J'ai du mal avec ce jeu, moi. Personne là de ce côté? Oui, oui, bah on va espérer qu'il reste mort, ouais, carrément. Faut qu'on descende là, n'est-ce pas? Ah non! Ok, alors là, ça one shot, mais ça fait pas beaucoup d'utilisation, donc il vaut mieux qu'on garde justement la hache. Ah quoi? D'où ça touche ça? Voilà, faut être terriblement plus réactif, et je suis terriblement nul à la manette. C'est l'autre qu'il faut changer. Ok, là on a tout ce qu'il faut en balle pour l'instant. Alors celui-là par contre c'est du coup par coup, donc ça va... Terrible. Allez, c'est parti. Oh petit bâtard. Non 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 non. Oh la vache! Oh merde! Oh merde! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quoi? Monte sur ce putain de cheval. Ah, petit décalage. Je vois personne. Allons-y. Ok. Joël, tu vas bien? Carrément pas, non. Ça va. Ça va. Tu gères la
fenêtre? Oui. Ok. Tiens, bah oui, connard. Bouge! Je vous vois. Merde. Bon, reste ici. Je vais coincer ce connard. Allez. Merde. C'est mes portes que t'as descendues. Sors de là. T'as envie de jouer au plus malin? Putain. Le travail qui est fait sur le son et tout. Juste pour représenter à quel point il est dans le mal. Je vais bien. Tu vas pas bien, Joël. Allez, viens. Bah oui, connard, évidemment que tu vas pas bien. Dépêche-toi. Il y a personne. Dépêche. Oui, oui, je suis là, Ellie. Oh putain. Oh non. Tiens-toi à moi. Non. Tu peux marcher? Oui. Alors marche, merde. Oh putain, mais Joël. C'est terrible. Oh, j'ai cru que c'était un type, bordel. Et ça fait tellement flipper. C'est tellement chaud. Je crois que c'est bon. Joël ? Joël ! Merde ! Joël ! Attends. Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Dis-moi quoi faire ! Allez, tu dois te relever ! Joël ! Quelques mois plus tard. Ou quelques semaines peut-être seulement. Quelques semaines, je pense. Ce petit lapin. 3, 2, 1. Et voilà. On connaît cette scène. Ça durera pas très longtemps. Certes, mais c'est déjà toujours ça de prix. Par contre, le Jojo, il... Tu lui ferais peur.
Le Jojo, on se doute, hein, mais si on joue Ellie, c'est qu'il doit être dans le mal quand même. Hein. T'es passé où ? Bah, faut suivre les traces en fait. Te voilà. Ah, je suis Keblo. Ok, là on va commencer à y aller doucement. Putain, je le vois pas. Où vont les traces? C'est bon, je le vois. Oh merde! Ok, je pense qu'on peut la voir par ici. Fait un truc un peu bizarre avec son arc là. Yes, on le voit. Honnêtement, je le touche pas d'ici, hein. Ça m'étonnerait. Faut y aller tout doucement. Non, 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 tu sais pas où je suis. Fait chier, il s'est barré. On l'a pas one shot, c'est terrible. Oh, elle arrive à monter, elle s'en sort. Elle s'en sort, elle s'en sort plutôt bien même. Hop. Merde, il est rapide. Chier. Je me suis chié, je me suis chié, je me suis chié. Oh, ça ressemblait vachement à des claqueurs, ça, comme bruit. Je n'aime pas ça du tout. Alors là au-dessus on passera jamais. Par contre du coup il faut qu'on fasse le tour. Alors où est-ce que tu te caches ? Oh, il est en train de lécher la plaie, je suis sûr. Putain, mais encore ! C'est terrible ! C'est terrible, c'est terrible, on n'arrive même pas à one-shot un élan. Et si on attend ? Si on attend, il va bien finir par mourir de saignement, là, non? Peut-être pas, vu qu'il y a les flèches qui sont encore restées dedans. Et où? Attendez, je suis un petit con, j'ai pas regardé les traces. Merde. Non, t'es encore vivant. Quoi ? Comment ça, il est vivant ? Oui, je suis con. Oh, il y a les traces là. Oh, il a passé la barrière.
Ce petit saligo là. Hop. Ah ça y est, là on commence à avoir du sang, il a dû faire... Il a dû s'auto-faire une dinguerie. C'est quoi cet endroit? Ah oui, par contre on dirait un petit village et tout là. Hop. Oh, super. Tout va bien. Tout va bien, je vais bien. C'est glauqué, on n'y peut rien. Ouais. Ah ouais, 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 ouais. Oh. Eh ben, il est mouru, parfait. Qui est là? Montrez-vous. Salut. On veut juste te parler. Un geste brusque et je vous en plante une entre les deux yeux. Pareil pour votre petit copain. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle David. Et lui, c'est mon ami, James. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. Moi aussi. Il y a des femmes et des enfants. Et on a tous très faim. Eh bien, on pourrait peut-être... échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut? On a des armes, des munitions, des vêtements... Des médicaments. Vous avez des antibiotiques? Bien sûr. À notre camp. Si tu veux nous suivre... Je vous suivrai nulle part. Il peut aller les chercher. S'il revient avec ce que je veux... Le cerf est à vous. Si quelqu'un d'autre se pointe... Tu m'en plantes une entre les deux yeux. C'est ça. Deux flacons de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Je vais prendre ce fusil. Bien sûr. Reculez. Ça risque d'être long. Ça t'embêterait qu'on s'abrite du froid? Prenez-le avec vous. Voilà. Tu sais, tu devrais pas rester toute seule comme ça. J'aime pas la compagnie. Je vois. Comment tu t'appelles? Pourquoi? Écoute, je sais que c'est pas facile de faire confiance à des étrangers. Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. On verra. Une autre arme? Désolé. Ok, j'aimerais bien récupérer mon fusil. Non, vous avez le pistolet. J'espère que tu sais t'en servir. Je me suis un peu entraîné. Ouais, mais je suis encore à la manette. Absolument les empêcher d'entrer. Espérons qu'ils ne le trouvent pas. Défends les fenêtres. Ok. Ok, j'en vois. J'ai déjà fait ça. Ah.
On a peut-être perdu une défense là, c'est pas trop. C'est pas très ouf. Ah putain, il faut défendre les autres fenêtres! Ok. Bon, on a regagné un petit peu de balles. Alors par contre, là, ça veut dire c'est la merde. Ne plaisantez pas. T'es bien plus doué que moi avec ce truc. Oh, bah ça donne des balles de fusil, là. C'est pas mal. Ouais, j'arrive. Oh putain! Sur ta droite! Ok, une balle dans la jambe, ça suffit, très bien. Alors, tu peux recharger. Ellie, s'il te plaît. Ok, on a des balles. Ils sont un paquet, ils ont dû te suivre. C'est peut-être vous qu'ils ont suivi. Il y en a un paquet de ce côté, très bien. Oh non, j'ai gaspillé une balle. Allez! Charles, j'ai besoin du fusil. Ellie! Ellie! Bon, c'est cool. C'est cool. En vérité, il y a une munition illimitée. Faut juste faire gaffe. Oh, terrible! Il y en a là! Non, vite, le claqueur! Oh non, il a pas touché. Les munitions pour le fusil. Ok, ça c'est dans la tête. Lui tire. Il se le fait celui-là ou... Bon, t'y arrives ou merde? Ok, c'est bon, il a réussi. Alors là par contre... Ah, c'est chiant. On doit quitter cette pièce. Ça en fera toujours un de moins. Vous voyez, quand ça vient de la droite, j'entends rien. Ok. Oh oui, des flingues. Ah mais j'ai ce pistolet. Mais je savais pas moi. Fallait me prévenir, messieurs, dames. Pas mal. Belle trouvaille. La voie est libre. Par ici. Je suis là. Je vais le suivre hein, parce que clairement je sais pas où aller. Vous en faites pas. Ok. T'éloigne pas. Et fais attention. Oh. Attends quoi? Eh hey, petite, ça va bien? Ça va. Des claquettes. Sors de là. Oh, terrible. Bon, attendez, on va recharger ça quand même, ce serait pas mal. Oh, mais il rigolait pas quand il disait... Ok, terrible, ça met beaucoup trop de flèches à mourir, ça. Ah, bah, super. Ok, ça touche l'épaule. J'ai raté. Putain, j'ai gâché une flèche pour rien, je suis dégoûté. Ok, ça a touché. Oh putain, la tête! Non, là. Et que je t'avais ni vu ni entendu, toi. Voilà, on a un petit headshot, c'est toujours ça de pris. Récupère. Oh putain, il n'y a qu'une seule flèche par contre. Terrible. Et là, je peux récupérer ma flèche. Yes. Insane. FC Brick, hein, là pour aujourd'hui. Hein. On va se mettre du côté des FC Brick. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a que ça. Oh non, attendez, il y a une bouteille. Le FC Bouteille, le retour!
Alors là par contre, si jamais j'ai besoin d'un truc un peu plus rapide. Vous êtes là. Allez, la porte est par là. Ok, bah je te suis frérot. Hein. On y était presque. On doit aller là-haut. Là, on peut utiliser cette échelle. Échelle ? Ouais, d'accord. Et comment ? Faut monter, n'est-ce pas ? Ah, terrible, je peux pas monter là. C'est pas du tout stressant les bruits claqueurs, lol. Non, ok. Alors je suppose que si lui reste ici, ça veut dire que... Ah, quoique. Hey, venez, soulevez-moi. Ok, prête. Mm-hmm. Allez. Ok, du coup je peux faire tomber l'échelle pour lui. Ok, dépêche-toi. Et fais attention aux infectés. Je sais. Je vérifie juste, hein, par acquis de conscience, qu'il n'y ait pas des trucs. Oh merde, attends, il y en a un à mon étage. Quoi ? Comment ça t'es pas mort, enfoiré ? Ouais, c'est bon. Oh, quel enfer ! Mais attends, mais le pistolet de Ellie... Ah ouais, tu m'étonnes en fait que Joël voulait lui donner celui-là. Il fait zéro dégâts en fait le truc. Attention, je saute. Allez mon petit pote. Ok. Par ici. Oui, je suis là, connard. Il faut qu'on sorte d'ici. Putain la vache, mais il y a une putain de horde là, c'est pas possible. On peut pas fermer ça, je suppose. Très bien. Merde. On dirait que les derniers à les avoir affrontés ont perdu. Je cherchais justement. Récupère leurs armes. Je vais chercher. Ok, cocktail molotov, des chiffons. Non, j'ai dit le FC bouteille. Je récupère tout, hein. Je récupère, mais absolument tout. Parce que le problème, c'est que si le jeu. N'oubliez pas, n'oubliez jamais. Si un jeu vous donne ça, s'il vous donne tout un truc, tout un tas de trucs comme ça. C'est la merde. On n'a pas d'autre choix. Je vois. Prépare-toi. Ok, il y a d'autres trucs. Oh no. Ok, déjà on peut piéger cet endroit là. Oh. Piège qui a pas marché, super. Ok, la petite attaque éclair qui est bien passée. Vous entendez ? Sur le toit ! Je sais. Putain, ça va être la merde. Vous descendez par là aussi. Très bien, c'est très très bon à savoir. Putain, ça peut descendre par là aussi. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Il a eu du mal à mourir celui-là. Oh non, d'où c'est passé à côté. Ellie, 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 Ellie.
Oh bah j'espère bien que t'apprécies, connard. Je suis pas sûr. Ils arrivent. Ils sont combien en juste? J'ai aucune idée. Allez, t'arrêtes pas. Ah! Oh connard! Ouais, c'est très très chaud. Hein. C'est très très chaud. Faudrait peut-être que j'augmente la sensibilité de la manette. Putain, mais non, mais ça c'est lui. J'en peux plus. Oh, mais non, mais ça l'a pas touché. Oh non! Voilà. De 1. 2. Pas 2, apparemment. Ok, je récupère les balles. Recharge, recharge, recharge. Ce claqueur va nous tomber dessus. Ok. Oh, la vache, je suis beaucoup trop à fond. Je suis beaucoup trop à fond dans mon jeu. C'est terrible. Les voisins doivent se poser des questions. C'est terrible. C'est un colosse. Quoi? Tiens. Tiens. Ça explose pas si je lui lance dessus, n'est-ce pas? Sors, 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 Ellie. Sors. Un heal, tout de suite. Mais j'avais pas compris ça comme ça, moi, qu'il allait y avoir un colosse, là. Attendez une minute, parce que là... Je récupère les munes, etc. Parce que c'est pas fini. 100% c'est pas fini. Ah, je suis plein niveau munitions apparemment. Du coup, on va le suivre. On va continuer. Écoute. Pas d'infecté. Pas d'infecté. Qu'est-ce que je disais? Ok. On y retourne. Allons voir notre serre. Tu t'en es plutôt bien sorti tout à l'heure. Je crois qu'on fait une bonne équipe. On a eu de la chance. De la chance? Non, non. Je crois pas à la chance. Non, tu vois... Je pense que tout arrive pour une bonne raison. C'est ça. C'est vrai. Et je peux te le prouver. Tu vois, cet hiver était particulièrement rude. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé un groupe d'hommes chercher de la nourriture aux abords de la ville. Très peu sont revenus. Ils ont dit que les autres avaient été tués par un cinglé. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné d'une petite fille. Tu vois, tout arrive pour une raison. Allez, te fâche pas. C'est pas ta faute. T'es qu'une enfant. James, baisse ton arme. Pas question, David. Je vais pas la laisser filer. Baisse ton arme. Donne-lui le médicament. Ça va pas plaire aux autres. Bah, ça ne te regarde pas. Dégage de mon chemin. Tu survivras pas longtemps dehors.
Je peux te protéger. Non, merci. Tirons-nous d'ici. Joël ? Oh. J'ai pas trouvé grand chose à manger. Par contre, j'ai trouvé ça. Lève ton bras. Et voilà. Désolée. C'est bon. C'est fini. Tu vas t'en sortir. Je vais les éloigner d'ici. Je reviendrai après. Oh terrible, chers amis, on va s'arrêter ici. Je sais pas pour vous, j'ai l'impression qu'il y a un gros filtre bleu. Ouais, mais c'est pour la séance de la séquence de gameplay, j'ai l'impression. J'espère, parce que sinon ça veut dire que moi le gâteau est en train de mourir et ça me ferait chier. Mais normalement ça devrait être bon. Normalement ça devrait être bon, ça devrait être ça. Du coup, on va s'arrêter ici, chers amis, pour cette vidéo. Aujourd'hui, on est déjà presque à 40 minutes de vidéo. On se dit à la prochaine. C'était Thomas Santatessi. N'oubliez pas un petit like, un petit abonnement et évidemment la petite cloche d'activer. C'est toujours ça. C'est toujours ça de prix. Hein, c'est toujours ça pour m'aider tout simplement. Petit commentaire aussi si jamais l'épisode vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine. C'était Thomas Santatessi. À plus tout le monde.